Il était une fois un paysan doté d'une qualité bien singulière. En effet, il courait très vite, ce qu'il ne découvrit qu'à l'aube de sa 19e année. Tandis qu'il se reposait tranquillement sous un pommier, un malotru en profita pour lui voler ses chevaux. Découvrant ceci, Omar de sang, parce que c'est ainsi que sa mère l'avait nommé, fut pris d'une grande colère et tel un taureau piqué au cul par un frelon, il courut à en perdre haleine. C'est ainsi qu'Omar de sang découvrit qu'il était doté des jambes les plus rapides du royaume. Un beau matin, alors qu'il galopait joyeusement à travers le pays en beuglant une sérénade, il entendit les cris d'une belle en détresse. Il n'eut même pas le temps de terminer sa phrase qu'il était déjà sur le dos du bandit pour le faire voler dans les airs. Il abrégea la bastonnade afin d'aller chercher son baiser. Mais la surprise fut violente, car la belle était beau et le beau était fort laid. Malheureusement pour notre héros, Joseph, car c'est ainsi que notre lait se nommait, avait le don de se téléporter aussi loin qu'il pouvait voir. Il rattrapa sans difficulté Omar, qui abandonna bien vite la lutte. Joseph, bien décidé à ne pas perdre son poulet, le demanda en mariage. Thank you.